Et bien sûr, mes petits loulous, c'est XVSK. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour nos aventures sur Days Gone. Et la moto, elle en est où? Parce qu'on doit faire un long trajet? Non, ça va, on doit pas faire un trop long trajet. Allez, apparemment, la situation est bizarre et on va aller voir pourquoi elle est bizarre. Allez. Oh mon dieu, il est énorme sans que ce campement, en vrai. Oh mon dieu. Eh, salut! Ah, on peut même pas rouler sur les gens. Je suis déception. Bon, le jeu, on va sortir un jour. Parce que t'es en train de me faire faire tout un tour là. Ça pour sortir. Bon, pardon, ce tir là. Ah, qu'est-ce qu'on va devoir faire cette fois-ci? Ok, j'espère qu'on n'aura pas droit encore à un crash. Wow, mais là, oh la longueur juste pour sortir quoi, truc de fou. Ah là y'a pas besoin de quelqu'un, c'est bien. Allez, on y va. On va aller sur quoi, Lucette? On va sur quoi, Manus? Allez! Please, pas de piège sur le chemin. C'est cool. C'est bon, les embuscades qui font cracher le jeu. Très peu pour moi. Là, là, Alex! Ah, c'est pas trop loin. On va pouvoir s'en sortir. Le centre pour visiteurs. C'est sûrement là. Bonjour! Il me reste plus qu'à trouver de la levure. Les cuisines, ouais. C'est sûrement dans les cuisines. Oh, je suis pas là. Mais merde, les brutes. Wow, la tête. Fallait que ce soit des brutes. Ça pouvait pas être simple, hein. Ah, y'a deux brutes. What? D'accord. Non, je sais d'où vient le bruit. Ah, bordel! On arrive là, je suis déjà quasiment. Oh bordel! Ils sont déjà là ces enfoirés. Allez, salut! Suis-moi si tu peux! Encore là ou pas? Oh! Putain! Y'a combien en vrai? Ouais, ouais, bien. Ah, d'accord, je vais monter. C'est bon. Ah! Faut que je m'échappe! J'ai un pour affronter, c'est ça le problème. Mais non! Mais ça va. Je vais juste recharger, bordel! La loot a dû un petit peu tendre, quand même.
Bon allez, tu me touches, connard. Ah ouais, je crois que je suis mort. Hein. Je crois que je suis foutu. Putain, mais je voulais sauter. Ouais, je suis foutu. Ah, j'étais presque, fais chier. Oh, je suis mort là. Putain. On va prendre un truc de santé. Ah, bordel. Ah, j'avoue que ça commence à devenir Tandax, hein, mais c'est quand même con qu'il faut arriver à la fin du jeu pour que ça devienne Tandax, quoi. Bon, on va prendre des cocktails de santé, non? Bon. Putain, je me suis fait chier tout ça pour ça. Bon. Pas mort. On a encore techniquement de quoi tenir. T'as pas de la levure? On va essayer d'esquiver le plus possible. Allez, ma lucette. C'est bon. Limite. Carte postale. Ah. Voilà, nickel. J'espère que ça suffira. Eh, moi je suis pas sûr. Levure. Va falloir une arme légèrement plus puissante si je veux survivre plus tard. Oui, de gros. Taper sur quelque chose, mais je sais pas quoi. Ok, autant jeter un coup d'œil. On va se casser au plus vite. Allez. Allez, où t'es tendu avec du Saint John pour le lieutenant Whittaker au rapport. Deacon, Caporal Saint John. J'ai dégoté ce que vous vouliez, la levure. Il n'y en avait pas beaucoup. Je suis sûr que ce que vous avez trouvé conviendra très bien. Curieux, pourquoi vous avez besoin de... Désolé, mais je suis occupé. Il faut que j'y aille. On parlera à votre retour. Terminé. Ok. De rien. Qu'est-ce qu'elle est froide! Hallucinant quoi! Alors plus froid tu meurs, hein! Oh, j'espère qu'on n'aura pas que des missions comme ça. Enfin, en même temps, elle avait mal commencé la mission, je m'attendais pas à avoir un screamer à côté. Si au moins je pouvais avoir des armes, quoi, c'est cool.
Là, je suis rang 0, je suis nada dans le camp. Alors que je commence caporal. C'est stupide. Effectivement, caporal, j'aimerais avoir accès aux armes et tout, là. Et là, j'ai rien. Je suis mis à poil, quoi. Ce campement qui met 3 points pour pouvoir accéder à un point A, point B. Bon, comment ça va. On avait assez d'essence. Ah, et merde. Madame. Bon, tu arrêtes la comédie, s'il te plaît. Pardon? Je sais que la situation est bizarre, mais j'y peux rien pour l'instant. Ouais. À part que je dors dans un baraquement avec une dizaine de troufillons alors que ma femme occupe une tente privée dans les quartiers des officiers, je vois rien de bizarre. Ticone. Il y a aussi le fait qu'on se croise que quand je remplis une mission pour elle. Mais non, rien de bizarre à part ça, madame. Ma levure, merci. Tu veux faire un gâteau? Si t'as besoin d'un four, je sais non, où en dégoter un. Non, je m'en sers pour cultiver des protéines virales. Ça permet d'activer les anticorps. Mais bien sûr, tu étais ironique. Gâteau, protéines virales, c'est du kiff-kiff pour moi. Eh, pas si vite. Tiens. Merci. Tu l'as déjà dit. D'être resté, je veux dire. Oui, chef. Hey, je suis nouveau ici. Je m'appelle Deacon St. John. Enchanté. Moi, c'est Ella Salazar. Mais appelez-moi Sal. Alors, c'est là qu'on dépose les oreilles des primes? Mm-hmm. C'est bien ici. Si vous avez des oreilles de mutants, donnez-les-moi. Pigé. Ok. Caporal, au revoir. Ah. Caporal. Hé, hey, sergent. Hé, hey, dis, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'un mec de la côte Est est venu foutre ici, aussi loin de chez lui? Ouais, c'est ça. J'ai servi avec un gars de Long Island. Disons que vous êtes facile à reconnaître. Ouais, je sais. Ben, c'est pas compliqué. Avant tout ce merdier, j'avais un site web qui s'appelait faitesparlerlapoudre.com. Oh, mais putain, mais c'est ça. C'est de là que je te connais. T'avais une émission sur le câble. Mon paternel la regardait tout le temps, quand j'étais gosse. Ton paternel avait bon goût. C'était une putain d'émission. Je parcourais tout le pays. J'allais sur des brocantes et des expos d'armes à feu paumées. Là, tu peux pas faire plus paumé que ça. Ouais, ça, tu peux le dire. Non, non. Posez-les là. Merci. Caporal St. John, ici le docteur Jiménez. St. John? Salut Doc, ici Deacon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, St. John, parfait. Je voudrais que vous passiez à l'infirmerie. Il y a un problème? Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, rien de tout ça. C'est pour suivre l'évolution de votre blessure. Ma blessure? Mon bras. Ça va, Doc? Une brûlure au poil à bois? Ça plaisante pas. Vous voulez que ça s'infecte? Allez, venez me voir. C'est un ordre. Ok, Doc, ok. Comme vous voudrez. Terminé. Et, faut que je te dise un truc. Vas-y. C'est pas la première fois qu'on se voit. Enfin, toi, tu me connais pas, mais je suis de Farewell, comme toi. Avec mes potes, on vous regardait tourner. Et mon grêle, je veux dire. Sur vos bécanes, avec vos cuirs et tout. Sérieux, on vous trouvait carrément mortel. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, sérieux. J'avais pas mal de temps libre, j'ai dû arrêter le lycée en fait. Ma copine est tombée enceinte, fallait que je trouve un taf. Et, tu sais, si tu montes un nouveau club, un de ces quatre, Mongrel, n'importe, pense à moi, ok? J'en serai. Ouais, c'est pas pour après-demain. Non, je sais, mais on sait jamais. St. John, ici le capitaine Coury, répondez.
Ouais, capitaine, je vous écoute. Je voulais vous dire que le colonel fait un petit discours informel tous les soirs, au crépuscule, sur l'aire de rassemblement où vous avez prêté serment. D'accord, chef. Et bien que les discours soient informels, la présence de tous les conscrits est requise. On était dans No Man's Land. C'est noté, chef. Terminé. Génial. Un commandant qui aime les causeries au coin du feu. J'ai hâte. Hey, Doc. Entrez. Sientense. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mm-hmm. Voyons voir. Alors, pour qui vous rouliez avant tout ça? Je vois pas de quoi vous voulez. Non, mais mientas. Caporal, j'ai passé 20 ans à Los Angeles à rafistoler des bandas de motoristas, entre autres bandieros. Je connais les signes. Et ça, là, ça vient pas d'un poêle à bois. Ok, nettoyez bien et ça cicatrisera. Mais vous aurez une marque. Et je veux que vous repassiez me voir dans 2 jours. Ça marche. C'est drôle. Quand tout a merdé en ville, des quartiers en guerre depuis des années se sont unis pour combattre. Ensemble. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Peu importe. C'est dingue qu'il en faille autant pour unir les gens, non? Merci, Doc. Ouais, je suis amical. Wouhou. Des jours, des dizaines de nouvelles recrues ont rejoint nos rangs. Soyez les bienvenus. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe le pays qui vous a vu naître, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous soyez gay, lesbienne, bisexuel ou transgenre, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce sont des choses décrétées par le Tout-Puissant et nous les acceptons. Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les menteurs, les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les fornicateurs, les hommes et femmes adultères ou coupables de parjure, les toxicomanes ou les criminels en tout genre, que leur crime ait été commis dans cette vie ou dans la précédente. Votre façon de vous comporter, l'attitude que vous adoptez aux yeux de Dieu, ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Et tout soldat ou officier reconnu coupable de la moindre transgression, aussi minime soit-elle, sera amené ici, sur cet échafaud, pour être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Certains d'entre vous trouveront peut-être cette sanction cruelle, mais sachez que toute sanction infligée par nos soins est un acte miséricordieux comparé au châtiment divin qui s'abat sur le monde en dehors de ses murs. Personne n'est parfait. Nous ne vous demandons pas la perfection. Ce que nous vous demandons, c'est l'obéissance, l'ordre et la discipline. Donnez-nous ces choses, et nous gagnerons cette guerre. Rompez ! Ok, bro. Non, je fais quoi ? Ah, j'ai une mission. Ah ! J'ai une mission aussi là-bas. Protéger les plus faibles, la 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 la. Ouh, 1300 crédits, ça va le faire, hein. Saint John, réponds. Taylor à Deacon Saint John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis. Oh, ça, je suis pas loin. C'est comme si j'étais dans son jardin. Hé, hey, j'ai besoin de ton aide. Au sud de Crater Lake, à côté de South Rim Drive. Taylor, écoute-moi, je sais pas ce que tu fous, mais tu devrais. Non, non, merde, non, 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 non. Lâche-moi. Taylor, hey, ah.
Taylor! Taylor! On va pas l'aider, hein? Ah bah si, on va l'aider. Saint John pour lieutenant Whittaker, à vous. Je passe sur un canal privé. Attendez. Deacon, tu m'entends? Ouais. Écoute, j'ai jeté un œil à ton formulaire de réquisition. Tu veux du silicate? Oui, du silicate. Je m'en sers comme solution de distillation au chromatographe. Au chromato quoi? Désolé, c'est le seul axe de mes recherches qui progresse bien. Bon, et ton silicate, je trouve où? Merde, je croyais l'avoir noté sur le formulaire. Attends, ok, il y a un petit bazar au sud-ouest, près du village de Mazama. Tu devras en trouver là-bas. Ok, ça marche. Merci. Enfin, je veux dire, disposé. Oui, chef. Lieutenant. Terminé. Du silicate? Qu'est-ce que c'est que cette merde d'abord? J'aime ça! Un condre, les gars. Bande de connards. Vous pensez pouvoir me tendre une embuscade et vous en tirer? Deacon, t'es là? Deacon? Je suis là. Écoute, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Chef? C'est un canal privé. Dick? Ok. Je voulais que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. Sur le fait que tu sois resté pour aider. Encore une nuit, merde. Je sais que ça doit pas être facile Qu'est-ce pour toi. Est-ce que le néant a laissé traîner cette Elle fois ici. Comme ça. Ouais, enfin, où je pourrais aller d'autre? En plus, si je m'en vais, je serai obligé de rendre cette magnifique casquette. Alors, c'est qu'elle commence à me plaire, cette casquette. Vraiment. J'en doute pas. Ok, bon, faut que je retourne bosser. J'ai déjà rempli une demi-douzaine de boîtes de pétri avec la levure. Cool. Garde-moi un peu de protéines virales. Au cas où j'ai un petit creux. Pas de problème. Lieutenant Whittaker, terminé. Ah, j'aimerais bien essayer de scloper le commandant du Nero, là. Capitaine Coury, ici le caporal Russell. À vous. Battez hors traite, putain, bougez-vous. Vous avez entendu? Repliez-vous, repliez-vous. Russell, au rapport. Chef, on partait en mission de ravitaillement à Tchemult, mais on s'est retrouvé face à la plus grosse horde que j'ai jamais vue. Putain, bougez-vous le cul! Allez, allez, vous avez entendu le caporal? Bon, écoutez-moi très attentivement, caporal. Sortez vos hommes de là. On n'est pas prêt à engager le combat. C'est compris? À vos ordres, chef. On va pas se faire prier. Terminé. Allez, on se tire! Maniez-vous le train! On se replie! Allez, allez, allez! Encore des problèmes? C'est ça que j'ai tout cassé, là? Parce qu'on est bon, là, non, pour les... toutes les alertes, non? Bon, alors, faut trouver l'essence, maintenant. Plus chiant, quoi. Oh non, me dites pas qu'il y a des fusibles. Checker tout ce qu'il y a ici. Voilà le générateur. Ouais. Maintenant, faut trouver l'essence. Allez, je te coupe là. Allez, je te coupe là. Oh là là, les phases de cache-cache avec les objets, c'est casse-couille. Oh, ouais, de l'essence. Ah, j'ai oublié celui-là. Bon, prions. Après, ça m'a dit qu'il y a un ennemi droit devant moi. Là. Personne. Je sens que j'en ai oublié, hein, mais bon. Tant que ça rameute pas une horde, en vrai je m'en branle. Ouh, t'en avais vraiment besoin, hein? Ah ouais, hein. Eh, hey, tu mets-toi à côté, Deacon, là. Mets-toi à côté, gros. Voilà. Croise les doigts. Lumière verte, c'est bien ça, les lumières vertes. Toujours bon signe. Et pas de message, nice. Ah,
Voyons ce qu'on a là-dedans. Un autre injecteur du Nero. Cool. Ezo, on va augmenter un petit peu la vie. Tente rien à rien. Ça. Et quoi ici? De l'autre côté, il y a quoi? Ah ouais, défonce les portes, ouais. Un autre micro-enregistreur. Est-ce qu'un de ces trucs va me dire ce que vous foutiez ici? Oh non! Il n'y a nulle part où aller! On peut pas fuir! Les soldats! Merde, ne touche pas cette porte! Il n'y a pas d'issue! Pas d'issue! Oh non! Je plaisante pas! On n'est plus au piège déserteur! Où je vais aller? Où est-ce que... On appelle le sens du devoir. Le sens du quoi? J'ai pas entendu. Lenny, si je les bousille, ça sera plus sûr de circuler dans quoi. Ah mais ils sont où, Lenny? Parce que tu dis Lenny, mais... J'aimerais bien les voir, moi, d'abord, Lenny, là. Pas de nid là. Hein. C'est ici? Ouais, rien. Ah oui, d'ailleurs. C'est combien pour faire des motos? Oh bah ça va, je suis large. Grave large même. Ouais, tant pis pour Annie, ce sera pour un prochain épisode. Bon, est-ce que techniquement, l'icône quand il est... Je repasserai par là pour finir de brûler ces nids. Mais quel nid, y'a rien! J'étais en début de tunnel ou quoi, là? Oh, c'est une blague. Un camp de maraudeurs. C'est les connards qui tendent des embuscades sur les routes du coin. Ouf! Une fois, j'arrive à tuer un loup comme ça. Encore des nids. Encore? La zone est infestée. Ah, c'est ça l'odeur. C'est combien? Hein, ça va pas brûler? J'ai lancé en plein dedans, c'est une blague. Bah c'est une blague, on avait encore quoi. Oh putain de corbeau! Sérieux quoi, avec Korbak ça va être le cancer à flinguer ça. Foutez-moi la paix un peu. C'est quoi ce bruit? Oh mais allez quoi. Je peux pas être tranquille deux minutes là. Mais putain mais... On peut jamais être tranquille, hein, dans le jeu.
putain, comment les flingues ces corbeaux de merde? Ah, de la viande. Vous faites chier, je me casse. D'ailleurs, je vais tuer ce zomblard qui, bizarrement, est sorti de nulle part. Mais c'est une blague! Ah, tais-toi, on a compris que t'es pas loin d'Annie. Moi, je veux les corbeaux, là. Ouais, plus merde, je me casse. Gavé, ces corbeaux, ça. Je reviendrai plus tard pour finir de brûler l'Annie. Ils sont saoulants, ces corbeaux de merde. Oh, c'est vrai. Il faut que je finisse de brûler cette zone d'infestation. Quoi, ça a pas brûlé, vous foutez de ma gueule? Ah ouf, j'allais dire. Ah, apparemment j'y vais. Ok, une moto de la milice. La sienne, je parie. Oh putain, cette zone quoi. Pourquoi ils ont pas mis ça dès le début du jeu en vrai? Pour que ce soit plus difficile. Colonel, Caporal Saint John au rapport. Je suis au dernier endroit où on a aperçu le lieutenant Norwood. C'est quasi blindé, votre truc. Bah, tiens. Vous êtes certain de vouloir m'y envoyer seul? Vous avez vos ordres, Caporal. Terminé. Bien, mon colonel. Il y a quelqu'un, là. Non, c'est joué à personne. À un moment, faudra bien que tu t'arrêtes. Il va pas se battre, s'il te plaît. Oh, c'est une blague. Ça y est, je me planque vite fait, là. C'est une blague. Putain, recharge, allez. Allez-y, zombies! Allô? Coupez-les un peu! On pourrait pas s'occuper un petit peu plus que ça, vraiment? Sniper que je veux. Parti sniper? Ah oui, parti. Putain, je vois rien que les cadavres.
Venez vous battre, bande de salopes! Je reviens! J'ai besoin de couverture! Eh, venez vous battre! Ah ouais, ça joue HD barbale maintenant, hein! Non, c'est pas drôle. Faites combien là? Trois lumières au fond. Putain, il me faut des munes là! Attendez les mecs, je reviens! Bougez pas! Hein. Là, le jeu va me dire hey, vous retournez, faut retourner dans la zone. Promis, je reviens. Laissez-moi deux secondes. Voilà, c'est bon, je suis à vous. À tous les ennemis court pop, ça serait marrant ça. Eh hey Jean-Charles, t'es mort? La pièce c'est que je vois pas d'ici. Te voilà. Comment ça te voilà? Là, je le vois. Merde. Ah bien sûr, fallait qu'elle bouge au dernier moment, hein, toujours, hein. Mais venez au corps à corps, je me fais chier là! Putain, ils sont bien armés en tout cas. Lieutenant, vous êtes là? Tire! Brûle, enfoiré! Mais... Putain! Je veux tirer, la console a pas tiré quoi. Cette fois je te tire. Ok, ne bougez pas, j'arrive. En fout ça, je vais immune. Attendez, j'arrive. Bon, comment ça va, lieutenant? Saint John. Moi qui avais perdu espoir. Ah ouais? Une vieille connaissance m'a dit un jour, il faut jamais perdre espoir, parce que sans ça, autant se tirer une balle tout de suite. Je m'en souviendrai la prochaine fois que les squatteurs me tombent dessus. Ça ira. Bon, alors, le camp est sécurisé et votre moto est intacte. Du coup, vous pourriez rentrer toute seule, hein? Ouais, je vais m'en sortir. Merci, Saint John. De rien. Allez, restez pas là. Allez! De compétences. Bon, je pense que cette fois on va peut-être commencer un petit peu à viser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Capacité d'enchaîner, améliorer votre position. Ouais, on va prendre ça. Hop. Bon, du coup. Fouille. Avec quoi ici? Prends. Maintenant, on se taille. Peur de la concurrence. C'est quoi la mission? Ah! Merde. C'est vrai que j'avais oublié que malheureusement,
Vu qu'on a là, il y a des trucs infestés. Bon, bah, prochain épisode, ça va peut-être vous gonfler un peu, mais on va essayer de nettoyer. C'est qui ça? Ok. Logique. Bon, tu me fais ton sniper parce que. Bon. C'est mieux que rien. Pour m'être utile, contrairement à l'arbalète. Bon, ben voilà, j'annonce directement que le prochain épisode sera pas forcément le plus palpitant, parce que malheureusement, pour faire tout le chemin en sens inverse, maintenant, on va essayer de s'amuser à nettoyer un petit peu la zone. Donc, ben voilà, allez, on se laisse ici, loulou. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme d'habitude, je vous procure, vous connaissez la chanson, vous connaissez le conseil dicton, je vous laisse, je vous fais plein pour tout voir tout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti, et que l'amour du pays du bus soit avec vous. Peace.